Merci, merci. Ça va toujours? Super. Putain, vous avez la pêche, hein. Moi, je suis énervé aujourd'hui, là. Je reviens d'une embrouille, là. Je me suis embrouillé avec mon banquier. Alors, j'ai besoin d'argent en ce moment, là, parce que là, j'ai payé le permis, là. Je passe le permis, là, en accéléré. Le permis en accéléré, c'est 2000 euros la semaine, tu vois. J'espère vraiment que je vais l'avoir, quoi. Parce que sinon, ça fera 2000 euros en accéléré. Je passe dans une petite ville à Lunéville, tu vois. C'est une petite ville à côté de Metz. Tu sais, moi, je viens de Limoges et je trouve que ma ville, elle est un peu pétée, tu vois. Et je suis allé à Lunéville et franchement, Limoges à côté, c'est Los Angeles, quoi. Tu sais, je restais 5 jours là-bas, j'ai retiré 50 euros. On m'a demandé de les rendre. Parce que sinon, la ville était en galère derrière. Hein. Les gens ne traînent pas beaucoup à Lunéville. Ils traînent tous à Leclerc. Ils sont tous là-bas. Le maire et tout. Et tu sais, je lui ai parlé, j'ai dit, t'as pas du boulot, toi? Il m'a dit, non, il y a une putain de promo. Je fais, ah, ok, d'accord. Je fais mes heures de conduite avec un moniteur qui parle beaucoup, tu vois. Déjà, moi, je conduis, ça me casse les couilles, tu vois. Et je suis avec un mec qui n'arrête pas de me parler. Tu sais, il me dit, ouais, tourne à gauche, va à droite. Tu peux dire, s'il te plaît, tu vois. Le pire, c'est qu'il est intrusif, tu vois. Il me dit, ouais, t'habites où? Je dis, ouais, j'habite à Paris. Il me dit, où ça, à Paris? Je dis, dans 93. Il me dit, tu connais Mehdi? Je fais, quoi? Et comme j'avais pas envie de le contredire, je lui dis, le grand, là? Il me dit, ouais, ouais, le grand. Donc, du coup, j'ai passé toutes mes heures de conduite à parler d'un mec qui n'existait pas. Là, je dois y retourner lundi. Et je dois avoir d'autres histoires sur Mehdi, quoi. Peut-être Mehdi va se marier. C'est moi qui ai choisi. Il y en a qui ont le permis ce soir? Cool. Vous avez passé le code? C'est bon, calme-toi. Putain, c'était dur sa mère ce truc, le code. Parce qu'il y a des questions, je me disais, putain, les situations vont jamais arriver, quoi. Tu sais, j'ai une question, c'était, ouais, qu'est-ce que vous allez faire en cas de météorite? Je fais, je sais pas, réponse B. Je freine. Et je mets les warnings. Et là, t'as la voix qui te dit, faux. Warning, puis frein. Le sketch touche bientôt à sa fin. Je vais partir sur un petit conseil. Je vois qu'il y a beaucoup de mecs ce soir, ils ne sont pas venus pour l'humour. Ils sont venus dans un autre objectif. Faites attention qu'on mette en couple, parce qu'une catégorie des filles, elles sont nombreuses. Bah, c'est des folles. Hein. Sans aucun argument derrière. Moi, je sais parce que j'étais en couple avec l'une d'entre elles, tu vois. Et franchement, elle a pris toute mon énergie, tu vois. C'est à cause d'elle que je suis comme ça, tu vois. Moi, avant, j'étais normal, tu vois. J'étais avec une fille, elle était folle. Un jour, t'es chez elle, on regardait un reportage sur les infirmières qui sont tellement mal payées qu'il y en a qui se suicidaient, tu vois. Et elle voit ça, elle dit, ouais, si jamais je me suicide, est-ce que tu suicides avec moi, tu vois. Elle est chaude, cette question, tu vois. Je dis, putain, pourquoi tu me dis ça? T'es même pas infirmière, pourquoi tu me casses les couilles, hein? Mais je vais m'arrêter là-dessus, merci d'écouter, merci beaucoup.